Salut les castors! Alors, je ne sais pas s'il y a déjà beaucoup de monde en ligne. Pic de connexion simultanée 1. Donc pour l'instant, il y a moi, je suppose. On va lancer ça sur la page de lecture. Et c'est parti. À deux visionnages, il y a une autre personne. Bonjour à l'autre personne. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Je vais attendre qu'on me réponde. Bon, en même temps, j'avais dit à 14h. Salut Lord 40K. Salut, re-salut Manu. Vous m'entendez bien? Le son est bon? Ok, nickel. Alors, donc c'est la continuation de la peinture des figurines des O12, O12 je suppose dans la version originale, pour le jeu Infinity. C'est une nouvelle faction qui a été faite spécialement pour la boîte Operation Wildfire. La dernière fois, en fait, ce que j'avais fait, c'était bêtement les peindre en bleu, faire un zénithal de bleu plus clair. J'ai essayé de centrer ça un peu. Un zénithal de bleu plus clair. Et ajouter des touches de jaune ocre en fait sur l'armure. Donc c'est du speed painting pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Donc c'est vraiment super rapide. Le but c'est d'avoir un résultat valable sur la table sans avoir à se prendre la tête. Et là, ce à quoi je vais m'attaquer principalement, si j'ai le temps dans cette vidéo de tout faire, c'est les armes, les visages. Et les cheveux avant de finaliser probablement dans une troisième vidéo. À mon avis, ça risque d'être chaud. Bon, le truc qui va vraiment pas être fun pour moi, Infinity, ouais, il y a les règles en français. En fait, les règles sont téléchargeables de toute façon, donc ça c'est vraiment pas mal. Faudrait peut-être que je mette le lien. Donc oui, il est en français. Sous la vidéo, il y a le lien du starter pack chez Philibert. Je vais aller vérifier, tiens, s'il est en français. Je veux juste être sûr. Mais le starter pack chez Philibert, Operation Wildfire justement. Et il me semble qu'il est en français et anglais. Operation Wildfire. Ouais, en tout cas chez Philibert, il est encensé comme étant en français et en anglais. Donc l'Operation Wildfire, c'est un kit de démarrage qui contient tout ce qu'il faut pour jouer, c'est-à-dire les règles de base, un peu comme les kits de démarrage 40K en fait. Qui contient les règles de base, qui contient des bâtiments, qui contient un plateau, qui contient tous les dés, les fiches, etc. etc. Et deux équipes en fait, parce que c'est un jeu d'escarmouche, c'est pas un wargame, donc c'est pas de très nombreux trucs. Faut savoir, c'est que les figurines sont en métal, donc c'est un peu au niveau peinture, c'est un petit peu perturbant peut-être au début. Ça, c'est une des autres équipes que j'ai quasi terminée, il me reste les socles à faire en fait, toujours en speed painting. C'est des figurines assez sympas, c'est les. Faut aller voir sur le site, j'arrive jamais à prononcer le nom de ces bêtes. Et voilà quoi, donc ça a été fait en l'équivalent, en l'espace de un petit peu plus de 3 heures hors socle, donc vu que le socle je l'ai pas fini. L'équipe contient 7 figurines, ce qui est pas mal je trouve, donc pour 3 heures. Voilà. Et on va donc commencer. Donc ce qui va être un peu. Salut Benjamin. Et ce que je viens de montrer, ouais, ça fait un peu penser au ton, au ton, au ton, au ton. Un petit peu. Moi personnellement, en fait, tout le design de Infinity, ça me fait très fort penser à Mass Effect. Et ça, je trouve ça cool parce que j'aime bien Mass Effect. Maintenant, donc ce que je disais, c'est que là, je vais m'attaquer aux armes, à la peau et aux cheveux. Et donc, on va commencer de suite par le truc le plus fun, c'est-à-dire repasser en noir sur toutes les armes. Et ça m'emballe, mais absolument, je vais être honnête avec vous, ça m'emballe, mais absolument pas du tout. Mais bon, faut le faire. Donc voilà. On va mettre ça là sur le côté. Salut Fabrice! Hop, on va prendre du noir. Non, je vais prendre celui-là plutôt. Ouais, c'est ça, Manu, les pièges au taux.
Ça, par contre, c'est positivement dégueulasse. Non, je ne connais pas de jeu de figues sur Halo. Il en existe peut-être un, mais je t'avoue que de base, je ne connais pas. Alors, je vais tester quelque chose de nouveau au niveau de la peau. En fait, j'ai vu un tuto de speed painting et je me suis dit que j'allais essayer de l'appliquer. Où le gars, en fait, pour la peau, il commence sur une couche noire avec une série de brossages à sec. Donc je vais essayer, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc ce qui veut dire que je vais peindre en noir les armes et les visages. Alors au niveau des figurines, là pour l'instant ce que je peins c'est les O12. C'est des figurines pour Infinity, qui viennent de la boîte de base de Operation Wildfire, qui est un starter set qui permet de commencer à jouer Infinity. Si jamais tu veux plus d'infos, il y a un lien vers le produit chez Philibert dans la description de la vidéo. Si jamais quelqu'un achète en passant par là, qu'il achète soit les figurines, soit le Infinity, soit n'importe quoi chez Philibert en passant par ce lien, ça me fait toucher un petit pourcentage sur l'achat sans que ça vous coûte plus cher, donc si jamais, n'hésitez pas. Et sinon, normalement, c'est censé ressembler à... Je montre. Ceci. Ah non, ça c'était l'image. Non, ça c'est le truc de fin. Évidemment, je me gourre complètement. Je vous montrerai ça plus tard, ce à quoi c'est censé ressembler. Je vais quand même commencer à peindre, sinon... Ah cool, Benjamin. Évidemment, à mon avis, comme d'habitude, en faisant les armes, j'ai dévasté comme un pourchat à plein d'endroits. Et ça, je suis pas fan. Mais bon. C'est chiant de repeindre en noir. Je déteste repeindre en noir. Sinon, question habituelle, j'ai déjà eu la réponse de certaines des personnes, dont toi Benjamin et toi Manu. Vous faites quoi dans la vie, dans les personnes qui sont présentes? Il y a des nouveaux noms, des noms que je n'ai encore jamais vus. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'ailleurs, à part aller sur Francis Mini, je vois pas la tête, je vois pas qu'est-ce que vous pouviez faire. Je plaisante. Hop. Si vous avez des questions, des suggestions, des informations à communiquer, n'hésitez pas. Sinon, donc, ce live, ben, il y en aura un autre jeudi. Normalement, il devait y en avoir un demain aussi, au soir, un live commun avec, ben, a priori, Manu, justement, qui parle dans les commentaires. Le problème, c'est que j'avais complètement oublié que j'avais un concert. Pas moi, hein, je vais à un concert, je ne fais pas un concert. Et donc il n'y aura pas de live demain, forcément. Ça sera pour la semaine prochaine, a priori. Ou alors peut-être dans l'après-midi, on verra. Ok. Consultant en informatique. Et électricien. Et moi, à la base, je suis web développeur. Je dis à la base parce que je me suis fait licencier il y a peu. Réduction de personnel, tout ça, tout ça. L'ambiance était devenue un peu pourrie, donc je dois avouer, je ne me suis pas battu des masses, mais voilà. En attendant, comme toi, Maxime, je suis un peu entre deux jobs. C'est ultra, ultra, ultra chiant de peindre ses armes. C'est là-dessus que je perds du temps à chaque fois, quoi. Donc quand je dois peindre des trucs en noir, repasser en noir sur des trucs, j'aimerais vraiment bien trouver une solution. En fait,
J'aurais peut-être faire une sous-couche noire et puis les masquer, les armes, avant de faire le reste. Le problème est que, vu que c'est des couleurs claires, ça serait pas terrible. L'arme, ça a l'air d'être bon. À peu près. On va pas chipoter. Et on va faire le visage donc en noir pour essayer cette technique de brossage à sec. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Donc si c'est une daube, bah vous irez crier chez le monsieur qui a fait le tutoriel. Je vous donnerai son lien, c'est en anglais. Vous pourrez l'insulter en anglais si vous voulez. Je vous laisserai faire. Bon, je regarderai de loin. Donc voilà, hop, la première figurine, visage en noir, arme en noir, on est parti, hop, suivant. Bon allez, faisons la grosse bête, hein, comme ça c'est fait. En plus lui il a pas de visage, donc ça sera toujours ça, ne pas peindre en noir. Et puis vu que c'est une grosse grosse arme, au moins on peut essayer d'aller un petit peu plus trash. Du moins sur les premiers trucs, enfin sur les premiers passages, pour faire dans le plus précis après. On repasse à ces caméras-là. Je ne désocle quasi jamais pour peindre en fait. Bon, ça c'est moi de nouveau, hein, dans ce domaine-là, il y a ceux qui peignent en pièces détachées, il y a ceux qui peignent soclés, désoclés, etc. Dans mon cas, non, je ne désocle quasi jamais pour peindre. Oui, quoi, la vidéo des hommes bêtes, Manu? J'ajoute toujours une toute petite goutte d'eau au pinceau, quand je peins en noir principalement, mais c'est souvent bah, comme tout le reste à l'arrache, c'est-à-dire que je trempe le pinceau dans la peinture. Là ici en fait c'est déjà de la peinture pour aérographe en fait de chez AK, donc elle est déjà pas mal diluée, mais je rajoute quand même toujours une petite goutte d'eau en trempant bêtement dans l'eau, après avoir mis la peinture, mais vraiment en trempant juste le bout du pinceau, comme ça fait une petite dilution sympa sans avoir à se prendre la tête. Mais bon, je fais pas ça pour toutes les couleurs, je fais ça surtout pour le noir en fait, hein. Pour ce genre de couleur, c'est facile. Pour le reste, je dilue quand même normalement. Enfin, normalement, s'il y a une manière normale de diluer, hein. Je dilue de la manière que j'ai l'habitude de faire, on va dire ça comme ça. Non, c'était pas des hommes bêtes. Que j'ai vu pour la vidéo des brossages de peau, c'était une tête de chevalier gris a priori. C'est long, c'est long. C'est pour ça, c'est à cause de ce genre de détails que je vais devoir faire une troisième vidéo à mon avis, hein. Donc la suite, si j'arrive pas à terminer aujourd'hui, ce qui est fort probable, ça sera jeudi. Si j'arrive à terminer, bah, il y aura quand même un live jeudi et je ferai autre chose, hein.
Sinon, vous avez vu des films ou des séries sympas récemment? Histoire de faire la conversation. La musique est pas chiante d'ailleurs, au passage. Si jamais vous le dites, j'en choisirai une autre pour la prochaine fois. J'essaie de varier de temps en temps, justement, d'en mettre des différentes. Ah, tu m'étonnes que c'est long. Benjamin. De toute façon, dans le Hobbit, tout est toujours long. Mais il y a des trucs qui sont plus sympas que d'autres. Je veux dire, par exemple, peindre le noir, ça fait vraiment pas partie. Les armes en noir, ça fait vraiment pas partie. Je vais me répéter, je me répète encore. Hein. Encore et encore. Un dernier petit point là, et puis on est bon. Quand même vachement visible. J'ai une des règles principales de mon style de peinture, la méthode Fast and Francis, comme on appelle ça, comme j'appelle ça d'ailleurs, je suis le seul à appeler ça comme ça, c'est que s'il y a une zone qui est chiante à peindre, mais qu'elle n'est pas visible sans retourner la figurine, on la peint pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui marche en général assez bien. Hop, voilà, donc lui, son arme, elle est bonne. Et on passe à la suite. Encore un qui n'a pas de visage et avec une grosse arme. Tu veux voir ma grosse arme? Doom Patrol, ça parle de quoi comme série? Ok. Ouais, moi aussi, ça. Enfin, c'est pour ça que je le fais pas, c'est parce que je trouve ça principe, c'est parce que je trouve ça quand même pas mal saoulant de désocler. Maintenant, il y a certaines situations où c'est nécessaire. Et en fait, ça m'est déjà arrivé de peindre sur un socle et puis de désocler après peinture, ce qui est vraiment pas malin, pour mettre sur un socle décoré. Parce que je suis un grand fan des socles décorés, moi les socles transparents c'est pas mon kiff du tout. Et voilà. Mais c'est souvent par après où je me dis bah merde j'aurais quand même pu faire un socle un peu sympa ou quelque chose comme ça. Mais sinon la plupart du temps j'essaie, dans la majorité des cas je dis bien j'essaie. Si je veux faire des socles décorés, de les faire avant de commencer à peindre, comme ça je les sous-couche avec le reste. Et je les peins en même temps que la figurine en fait. Salut Dan Miniature. Ah sinon au niveau des nouvelles, vendredi je normalement, mais a priori il n'y a pas de raison pour que ce soit pas le cas, je publierai une nouvelle vidéo Francis Mini qui parlera du jeu de plateau, du futur jeu de plateau Vampire la Mascarade, Vampire de Masquerade Chapters. Alors, j'ai eu l'occasion de l'essayer parce qu'il y a un module pour Tabletop Simulator. Donc, si jamais vous avez Tabletop Simulator, n'hésitez pas à chercher le module Vampire la Mascarade Chapters. C'est vachement sympa. En fait, il y a un prologue qui est disponible. Et donc, c'est un jeu qui peut se jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs en coopératif et qui se passe dans l'univers de Vampire la Mascarade. Si jamais vous connaissez, si jamais vous ne connaissez pas, ben, renseignez-vous parce que c'est un putain d'univers. Au moins aussi profond que celui de 40K. C'est vraiment. Enfin, moi j'adore ça depuis que je suis adolescent. Et j'avais déjà fait une vidéo de peinture de leurs figurines parce qu'ils ont eu la gentillesse de me filer des prototypes de figurines. Et là j'ai pu essayer le jeu et le prologue. Et donc c'est vraiment vraiment sympa. Et donc je fais une vidéo. Les vidéos que j'appelle Je joue pas, j'explique, où j'explique les principes de base d'un jeu, où je fais la totalité du prologue en vidéo. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo, elle sortira vendredi en midi et début d'après-midi, quoi.
J'ai encore leur envoyé pour avoir leur validation, pas spécialement sur le contenu général, mais plus pour être sûr que j'ai pas dit de bêtises au sujet du jeu. Et donc, ils vont faire un Kickstarter dans les mois qui viennent. Et voilà. Voilà. On va repasser en gros plan pour vous montrer. Donc, l'arme est aussi faite sur celui-là. Bon, ben, ça avance. Plus que 4 figurines à faire. Hein. Plus du noir à faire sur 4 figurines, en tout cas. Hop, hop, hop. Ok, ouais, je regarderai peut-être un de ces jours. Pour l'instant, je suis en train de regarder Goliath avec Billy Bob Thornton. C'est une série sur les avocats, c'est pas un truc fantastique. Mais c'est assez sympa, les personnages sont hauts en couleur. Et c'est la saison 3 et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Moi, ouais. Bon, j'aime bien. Ouais. Alors, elle a un visage et deux armes en plus, l'emmerdeuse. J'ai pas trop dépassé, tiens, d'ailleurs, sur les autres figurines jusqu'à maintenant. Je vais dire ça, évidemment, je vais dépasser. Enfin, quoique, en général, je dépasse dès qu'il y a Rainmaker qui arrive, et là, il est dans sa voiture, en train d'emmener son fils chez ses parents, pour les vacances. Donc, enfin, pour ses vacances, à lui. Donc, il ne devrait pas passer sur le live d'ici peu. Donc, peut-être que je ne dépasserai pas. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tentés par Infinity dans le public là pour l'instant? Il y a des gens qui ont déjà eu envie d'essayer ou qui ont maintenant envie d'essayer Moi j'ai encore jamais essayé les règles, enfin j'ai encore jamais essayé d'y jouer parce que j'ai pas eu l'occasion. J'ai survolé les règles, ça a l'air sympa, ça a l'air vraiment sympa. Les figurines, le fait que c'est du métal quand on n'a plus l'habitude, ce qui était mon cas, enfin ce qui est toujours mon cas, mais je commence à m'y réhabituer. C'est un peu perturbant le métal, mais honnêtement, la qualité de sculpture est vraiment vraiment top, quoi. Je suis assez bluffé. Bon, si vous voulez passer au plastique, j'avoue que ça me ferait plaisir, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont en métal en fait. S'il y a une raison économique ou technique, est-ce que ça coûte moins cher de faire du métal à l'heure actuelle? Contrairement au plastique ou quelque chose comme ça, parce que c'est un petit peu dépassé, ou enfin, parce que c'est ancien, pas forcément dépassé, mais ancien. Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur, hein. Ouais, c'est toujours le problème, c'est de trouver des joueurs. Moi, a priori, si tout va bien, je devrais faire un live dans la boutique Le Bazar d'Hyrule, dans les semaines qui viennent. Quand j'aurai fini de peindre les figurines, parce qu'un live sans figurines peintes, c'est jamais terrible. À Infinity, donc, et on fera les scénarios tutoriels de démarrage. Comme ça nous permettra de voir en live si c'est sympa. Et voilà, ce sera soit un live, soit un rapport de bataille scénarisé. On verra bien ça. Il faudra quand même que je le prépare un minimum à l'avance, évidemment. Encore un coin totalement inaccessible. Qu'il faut peindre parce qu'on le voit de partout. J'adore ça. Dans ces cas-là, je maudis le sculpteur encore et encore. Mais je me dis, bon, c'est pas grave. Si je dépasse, je corrigerai. Après, voilà. Hop. Voilà. Ah oui, son visage, lui aussi. Vu qu'elle a le visage à nu, on va faire son visage. Hop. Des cheveux en plein milieu du visage qui évidemment devront être peints dans une couleur claire. Merci le sculpteur. En fait, c'est ça le problème, c'est que tout ce qui rend une figurine vraiment dynamique, naturelle, etc., c'est tout ce qui est chiant à peindre. Je veux dire, si elle a vu ses cheveux tout droit, on aurait pu dire, ouais, le sculpteur, il s'est pas foulé, là. Et non. Et donc cette technique que j'ai vue sur le truc avec le. Enfin sur YouTube avec du brossage à sec pour la peau et sur une base noire,
Le peintre en question ne peint pas les yeux du tout. Il ne fait pas les globes oculaires. Et donc, il laisse juste l'ombre en noir. Donc, on va voir ce que ça donne de nouveau. Hein. Donc, voilà. Salut, Buff à Fab! Et donc, attendez, je ne sais même pas si vous voyez. Voilà, donc elle est peinte, les armes et son visage. Hop. Et merci Calidus. Oui, c'est ça, sinon on peut peindre des dés, c'est clair. Et merci pour l'info, Calidus. Donc c'est des histoires de coups, ouais, je m'en doutais. Enfin, je connais pas la taille de Corvus Belli qui est dite. Je vais pas faire celui-là tout de suite, je vais le faire en dernier. Je connais pas la taille de Corvus Belli qui est dite. Qui est dite donc Infinity. Mais j'ai l'impression que enfin, c'est pas Game Workshop au niveau taille, c'est pas la même chose, même s'ils ont le succès qu'ils ont, hein, qui est quand même tout à fait respectable vu le milieu dans lequel ils sont. Qui est assez concurrentiel. Enfin, c'est pas Game Workshop au niveau de la taille, donc effectivement, je suppose que les coûts, ça entre pas mal en ligne de compte. Bah, en fait, après tout, c'est vraiment une histoire de s'y habituer. Hein. J'avais plus peint en métal depuis longtemps, là, ça me réussit pas mal. Ok, donc les moules pour plastique s'usent plus vite. Mais je ne savais pas ça. Ah, c'est bizarre, faudrait que je me renseigne, tiens, ça m'intéresse tout ça. On va bien voir comment ça fonctionne dans l'envers du décor. Plus je pourrais poser des questions directement à la source. Cool Benjamin, ben, n'hésite pas à m'envoyer des photos sur Facebook maintenant ou quand tu auras tout fini, c'est comme tu veux. Bon, quand j'ai terminé celui-là, il reste plus que deux à faire du noir, donc ça va, hein, je veux dire, pour une petite demi-heure de boulot. On va essayer de limiter le live à 1h30. La dernière fois, j'avais un peu dépassé. Je commençais à en avoir marre au bout d'un moment, quand même souvent le cas. Sinon, pour les Salvador Dali, on va les appeler comme ça. J'ai fait une bulle. Les opposants, les extraterrestres que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont la deuxième faction présente dans la boîte de base de Operation Wildfire. Dans la boîte de base Operation Wildfire, eh bien. J'ai essayé comment dire, du crackle médium de chez Valero, parce que je voulais faire un effet terre craquelée, mais dans la couleur que j'avais décidé. Et ben, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait de craquelure du tout. Ça a juste fait une surface plastique toute lisse. Et c'est vraiment bizarre. Donc peut-être que je l'ai mal utilisé, je vais regarder s'il n'y a pas des tutoriels sur comment l'utiliser correctement, ou peut-être que c'est juste de la merde, mais ça m'étonnerait quand même. Valero, ils ont l'habitude de faire des produits qui fonctionnent. En général, relativement bien. Donc, faudra que je regarde. Parce que j'ai pas encore trouvé. J'étais content parce que je pensais que ça allait fonctionner. Parce que j'ai utilisé de la crackle paste de chez Golden, la marque Artiste. Le problème, c'est que ça fait des énormes craquelures et c'est de la pâte très épaisse. Alors que moi, ce que j'aimerais. Ah, putain de merde. Je viens d'avoir un sursaut de la main et. Et catastrophe. Catastrophe, il a une belle truc, je vais essayer de récupérer ça vite fait. Mais à mon avis, on est mal. Ouais. Et bien, bien, bien. Ok. Bon, ouais, je corrigerai ça en repeignant par-dessus. Donc je disais, la crackle paste de chez Golden. Elle est très sympa, elle fonctionne très bien, sauf que c'est pas du tout pour des figurines, quoi. C'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop épais. Ça va pour les décors, je l'ai déjà utilisé pour des décors désertiques, ça c'est nickel. Mais pour les socs de figurines, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop épais. Et en fait, moi ce que j'aimerais atteindre, c'est un effet comme. Exactement comme.
Ah, je sais plus, c'est Agrellon Earth ou quelque chose comme ça, de chez Game Workshop, qui a un effet terre craquelée en fait, mais c'est très fin et les craquelures sont très fines et ça donne vraiment très bien. Mais j'arrive pas à trouver un produit qui fasse le même effet, mais en neutre et auquel je puisse appliquer la couleur que je veux. Alors je pourrais le faire avec du Agrellon Earth, elle se coucher et puis après repeindre par-dessus, mais c'est pas terrible. J'aime pas trop faire de cette manière-là parce que j'aime bien le principe de mettre une couleur de base, passer ça, que ça craquelle et qu'on voit la couleur de base en dessous en fait. Bon, maintenant, après, on verra. Donc voilà, l'arme est finie sur celui-là sur lequel j'ai débordé. On va encore en faire un. Oui, j'ai écouté le nouveau titre de Lindemann, c'est sympa, mais je préfère quand même le précédent, Stay Off, qui était pour moi vraiment sympa. C'est une de mes chansons préférées de lui. Voire dans mon top 20 de mes chansons préférées, tout confondu, actuellement en tout cas. Je l'écoute en boucle tout le temps. Salut Adécéville, ça va? Donc au cas où tu débarques et où tu veux savoir, donc je suis en train de peindre la faction O12, les O12, de la boîte de base de Infinity Operation Wildfire. Si tu veux plus d'informations, il y a un lien vers chez Philibert où tu pourras avoir plus d'informations sur ce qu'est cette boîte de démarrage, qui est une boîte qui contient tout ce qu'il faut pour commencer dans Infinity. Et donc je peins une des deux factions. L'autre faction, je l'avais déjà terminée dans les lives précédents. Et celle-ci, je l'avais débutée dans le live juste avant. Voilà. Donc personne connaît une solution pour faire de la crackle paste équivalente à celle de chez Citadel. Pas cher et en couleur neutre. Parce qu'en fait, c'est un peu mes, comment dire, c'est un peu mes socles favoris, ces trucs avec le crackle paste. J'adore les effets désert. Un petit peu ma faiblesse, c'est que je fais ça tout le temps. C'est ça, c'est la suite de jeudi. T'étais déjà là jeudi, je me souviens plus. Je suis désolé si parfois je confonds les pseudos et les trucs comme ça. Enfin, tant que j'ai pas un visage à mettre sur quelqu'un, j'avoue, j'ai souvent du mal à retenir qui est qui. Et voilà. Et même après, ouais, il faut parfois, même avec le visage, il faut parfois 20, 25 discussions avec la personne pour que, sur Internet en tout cas, pour que je m'en souvienne. En vrai, ça va plus vite, évidemment. Pas déconner quand même. Manu, je sais qui c'est. Benjamin, je sais qui c'est. Maxime, je sais qui c'est. Calidus aussi. Je pense que c'est tout hein, dans ceux qui regardent. Enfin, les autres, j'ai déjà vu les pseudos, mais. Non, Geoffrey aussi. Chargé celui-là. Le pinceau est trop chargé. Hop. Il utilise des coquilles d'œufs pour le faire. Ah tiens. Ouais, c'est calme sans rien, c'est vrai. Ben vas-y, mets un peu d'ambiance, je sais pas, insulte-moi, fais-moi des menaces, Manu. Je veux dire, c'est ton travail, hein. En tant que membre de la Casta, du Castar Squad, mets l'ambiance, quoi. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vais essayer pour les visages un tutoriel que j'ai vu qui permet de faire des visages en fait sur une sous-couche noire, une base noire.
avec du brossage à sec. Donc pour faire toujours dans le vite fait bien fait, dans le rapide. On va essayer de voir ce que ça donne. Je n'ai pas de garantie que ça va donner quelque chose de bien. Donc si ça fonctionne pas, fonctionne. Tant pis. Faudra pas me crier dessus. Nicolas Aubert, alors. Si on compare la gravure à du Jouer, c'est très différent. C'est des figurines qui sont beaucoup plus. Enfin, Jouer, la plupart des personnages, à part les Eldar, les Elfes, les Tau, etc., ils ont une. Comment dire. Allez, une certaine carrure. Hein. On regarde les Space Marines, on regarde les Orques, même les Gardes Impériaux, ils sont assez massifs. Tandis que les figurines de Infinity, elles ont une certaine finesse, mais pas spécialement au niveau de la sculpture. Je veux dire, elles sont pas. C'est pas une histoire de. C'est plus fin la sculpture, c'est juste que. Elles sont moins basées, moins balèzes. Par contre, au niveau de la finesse de sculpture, ben, honnêtement, ça se vaut. Je trouve que la qualité est vraiment bonne. Y a rien à redire, j'ai aucun problème. De nouveau, c'est le fait que ça soit en métal. Le seul problème que j'ai avec le fait que ça soit en métal, en fait, c'est que ça plie trop facilement. Pour moi, ça plie trop facilement. Je me retrouve parfois avec des armes qui sont dans des positions bizarres et je dois chipoter pour les remettre en place. Parce que, problème que j'ai jamais avec le plastique, parce que le plastique reste la plupart du temps, sauf si on le passe au décapeur thermique ou au sèche-cheveux, le plastique reste en place, quoi. Tandis que le plomb, l'autre jour, j'ai fait tomber une des figurines Infinity et ça m'a bien fait chier parce que l'arme était de travers et j'ai eu un mal fou à la remettre dans la bonne position. Maintenant, au-delà de ce détail, la finesse de sculpture est vraiment bien. Au niveau du gameplay, je dirais ça quand j'aurai eu l'occasion de l'essayer. Comme j'ai dit, je ferai un live si peu. Et ok, Benjamin. Ça manque de jaune, tu trouves? Ouais, c'est vrai, mais à côté de ça, il y a du jaune. Je veux dire, ce qui pour moi est déjà un effort de fou. Il y a quelques touches de jaune. Alors donc pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez avoir de nouveau un regard sur les trucs, je suis un peu mon putaclic là, mais donc il y a le lien vers Philibert qui se trouve en dessous de la vidéo. Si jamais vous passez par ce lien pour acheter la boîte ou acheter n'importe quoi d'autre, je touche un petit pourcentage, donc n'hésitez pas, ça vous coûtera pas plus cher. Et ça permet de faire vivre la boîte. Et tant qu'on est dans la logique, permettre de faire vivre la boîte, si jamais vous avez 1 ou 2 euros à dépenser dont vous ne savez pas quoi faire, hein, il ne faut pas beaucoup plus. Sous la vidéo, il y a des liens pour aider Francis Mini. Et il y a un Tipeee. Et les Tipeee, on peut donner à partir de 1 euro, soit en one shot, soit en mensuel. Et ça permet de m'aider, hein, vraiment pas mal, parce que la chaîne me coûte quand même vraiment cher. Et ne me rapporte quasi rien actuellement. Disons pour l'instant, je suis en perte. Hein, je veux dire, c'est qu'elle me coûte plus qu'elle ne me rapporte. Le YouTube Money, c'est à notre niveau, quand on est dans un marché de niche comme actuellement, c'est risible. Je veux dire, je dois gagner entre 10 et 15 balles par mois, et YouTube ne paye qu'à partir de 100 $. Donc voilà, c'est pas une rentrée d'argent, c'est pas une vraie rentrée d'argent. Et donc c'est juste pour dire que si jamais vous voulez donner un coup de main, n'hésitez pas, ça sera très fortement apprécié à sa juste valeur. Maintenant, si vous voulez pas ou si vous n'avez pas les moyens, vous inquiétez pas, il n'y a aucun stress. Hein. Je veux dire, les vidéos sont là, elles sont gratuites, c'est pas le but de vous les vendre. Mais si vous, par gentillesse et par possibilité, vous voulez le faire, n'hésitez pas, ça me touchera beaucoup. Voilà. Moment capitaliste fini. Oui, mais j'ai fait du jaune et il me semble que c'est le schéma officiel. C'était du jaune, et donc je vais rester sur du jaune maintenant. Tu m'emmerdes pas avec l'orange, c'est aussi une couleur que je déteste, alors j'ai déjà réussi à faire un jaune correct, je vais pas rajouter de l'orange en plus. Tu fais vraiment bien le remplaçant de Rennes, hein. On dirait que c'est inné chez toi. Sinon, je suis en train de vous préparer une petite vidéo de derrière les fagots pour Halloween.
Ça va vraiment être cool. J'ai hâte de la terminer et de pouvoir vous la montrer. J'espère que ça va donner exactement ce que je veux. C'est pur Francis 100% à l'ancienne, c'est-à-dire avec une intro, etc. Vu que j'ai changé un peu le rythme des vidéos, je fais des vidéos un peu plus rapides, mais j'essaie d'en faire deux par mois, avec plus de travail sur le background, etc. Et donc voilà. Donc là, ça sera une vidéo façon Francis, avec intro, etc. Spécial Halloween. Un peu comme les épisodes Simpson, hein, donc c'est un épisode qui sort de la chronologie normale. Merci Garaton de soutenir cet enfoiré. Donc lui, il se balade avec juste un gilet pare-balles et les bras nus. Donc on va. Bon, je lui ai peint les bras en noir aussi. Je vais faire des teintes de peau claires pour ça ici, absolument pas par manque de multiculturalisme, mais pour une question de gain de temps. Mais je ferai de toute façon je vais essayer de faire une vidéo dans les semaines ou mois qui viennent sur la peinture rapide des différentes teintes de peau. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Surtout le côté rapide en fait. Je maîtrise assez bien le teint chocolat, je l'avais déjà fait sur quelques figurines. Et ça va vraiment vite en fait ça. J'ai plus de mal en fait justement avec les teintes de peau claires, aussi surprenant que ça puisse paraître. Voilà. Je pense qu'on est bon pour les. Hop. Pour les couleurs noires. Voilà. Alors. Oui, je me souviens de la couleur de tes bottes pour de tes figurines. Et oui, ça irait très bien pour. Pour un cache-œil, sans aucun problème, ça serait nickel. Alors Hadès et Ville, pour peindre des peaux écailleuses, moi personnellement, dans un premier temps en tout cas, si c'est pour aller dans le rapide, après c'est pas pour dans le rapide, tu peux faire dans le détail et peindre avec des magnifiques dégradés, des trucs comme ça, mais si c'est pour faire dans le rapide, je fais ça en brossage à sec en fait, avec des couches de brossage à sec superposées, et puis un lavis qui va aller bien se mettre dans les creux. Un lavis ou une encre, parce que j'avais fait ça une fois sur un serpent que j'avais fait. Sous-couché en noir et j'avais utilisé une encre rouge pure qui avait été se mettre pile dans les creux et donc ça donnait vraiment l'impression que comment dire que les creux étaient totalement rouges, ça donnait vraiment pas mal. Et après ça j'avais fait un brossage à sec de rouge très sombre, très léger sur les écailles et donc ça avait fait ressortir noir avec un petit peu de rouge, c'était vraiment pas mal. Maintenant c'est des techniques rapides, si tu veux plus de détails, je pourrais regarder, rappelle-le-moi, à la limite sur Facebook. Et je pourrais jeter un oeil, mais j'ai jamais fait dans le lent, on va dire. Le lent, enfin dans le normal, quoi. Et oui, ça dépend de la couleur aussi, la peinture écailleuse. Hein. Ce dont je parle, c'est une technique générale, hein, évidemment. Bon, ben je pense qu'on va essayer de s'attaquer à cette peau, hein, parce que c'est un peu moi ce qui m'intrigue et ce qui m'inquiète. Donc on va prendre une couleur de peau de base. Qu'est-ce qu'on va prendre? Du Cadian Fleshstone. Ouais, c'est pas mal du Cadian Fleshstone. Hein. Allez. Alors, on va essayer ça. Hein, en espérant que ça donne quelque chose. Prendre un nouveau papier pour le brossage à sec. Hop. Alors, c'est parti. Essayons sur elle, dont le visage est déjà sec. Alors, c'est parti et advienne que pourra. Hein. Hop, 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 hop.
C'est pas très précis comme technique, avouons-le. Donc ça. Il y a certaines zones que je vais devoir repasser à mon avis au pinceau. Et en plus j'ai réussi à faire sauter la sous-couche noire. Et donc on voit le métal en dessous. Ok. Donc ça ne s'applique peut-être pas très bien aux figurines métalliques cette technique. Continuer quand même. En laissant un peu plus de peinture sur le pinceau. Alors, voilà ce que ça donne pour la couche de base. Ce qui est. Ouais, ça se voit pas très bien à l'écran, je trouve. Mais ce qui en fait est pas trop mal. Hein. C'est pas complètement pourri, mais je vais devoir repasser au pinceau direct après. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. En passant une toute petite couche. Un petit peu humidifié, je trempe donc de nouveau le pinceau dans le truc et on va. Merde, le pinceau qui fourche. Catastrophe en direct, le pinceau fourche. Juste en l'humidifiant un tout petit peu pour repasser sur les zones qui sont pas atteignables avec le brossage à sec. Je demande vraiment ce que ça. C'est peut-être la ugly phase, hein, mais pour l'instant je suis vraiment, vraiment pas convaincu. La ugly face, c'est comme ça que j'appelle les parties, la phase de peinture où c'est moche. Où c'est moche, tout simplement. Ouais. Et en fait, pour être honnête, je suis, mais alors là, mais pas du tout convaincu par cette technique. Donc, tant pis, laissons tomber le côté brossage à sec, on va faire à l'ancienne et j'essaierai de découvrir une technique super rapide, mieux pour la prochaine fois. Donc, on est parti sur du Cadian Flechstone que je vais poser en base sur du noir. J'espère que ça va pas être complètement pourri. Je vais le mettre dans la palette un petit peu pour le diluer à rien. Maintenant, moi je suis parti évidemment sur du noir. Et j'espère que ça va aller. Hop. Ça. Un peu d'eau. Oh merde, putain, j'ai mis plein d'eau en fait. Tant pis. C'est parti. Donc on est parti pour une couche de base à l'ancienne, normale. Tout ce qui est plus normal. Pourquoi? Pour le brossage à sec? Ou même pour la couche de base, parce que pour la couche de base, en général, le Cadian, ça va. J'ai jamais eu à me plaindre. Mais le Barbarian Face, j'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vraiment juger. Donc le but c'est d'avoir une couche de base bien couvrante qui fait disparaître la sous-couche. Dans le cas d'une sous-couche blanche, ça sera facile. Dans le cas d'une sous-couche noire, ben, normalement ça devrait être difficile. Mais là pour l'instant ça va vu que j'ai fait un brossage à sec juste avant. J'espère que ça sera aussi facile sur les autres, mais je ne suis pas vraiment convaincu. Check, check, check. Et check, check, check. Voilà. Et donc. Voilà. Pour la couche de base qui est relativement bien propre.
J'ai un peu dépassé sur les cheveux, mais c'est pas très grave. De toute façon, je les ferai après les cheveux. Et on va continuer sur les autres visages de mes autres payots. Pello. Pello. Pello, c'est le dessinateur des Schtroumpfs. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien à faire là-dedans, hein, sauf à part que leurs armures sont bleues. Et donc, il y a assez peu de personnes qui jouent à Infinity dans mon public. Hein. Je veux dire, dans les personnes qui viennent ici. Ciao Manu, à plus, à tout à l'heure. Il y a assez peu de personnes qui jouent à Infinity parce que la plupart du temps, on pose des questions sur le jeu plutôt que de m'en parler. Donc, voilà. Et je ne suis pas forcément le plus grand expert sur le jeu vu que je l'ai découvert avec ce kit de démarrage. Bon, elle, à mon avis, je devrais passer une deuxième couche. Pas à mon avis, je sais que je devrais passer une deuxième couche. Donc, je vais la laisser sécher. Minutes. Donc, si je veux respecter mon timing habituel, il faut que je m'arrête dans 40 minutes. Je n'aurai pas fini les figurines dans 40 minutes, je le sais. Donc, il y aura une troisième vidéo dans jeudi prochain, jeudi qui vient, à la même heure, à 14h. Un autre live. J'essaie de tenir des horaires standards de live. Et voilà. Toute façon, aujourd'hui, je ne peux pas partir trop tard parce qu'il faut que je passe absolument chez Action et chercher du matos pour la vidéo d'Halloween, justement. Oui, c'est ça, la peinture, ça marche pour tous les jeux, c'est clair. Ah, cette teinte dégueulasse quand on met de la peinture un peu trop diluée sur du noir, c'est toujours horrible. Mais bon, une deuxième couche, on n'en parlera plus. Voilà, on va laisser sécher et on va s'occuper du gros balèze qui a les bras nus. Je repasserai, enfin à mon avis non, je repasserai sur ces lunettes plus tard. Et je déborde sur l'arme évidemment, donc je devrais repasser du noir aussi. J'adore ça. En fait, je passe mon temps à me plaindre dans mes vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui sont tout le temps là. Impressionnant. Ok, nickel. Ok, t'es pas trop SF, donc c'est pas trop un jeu pour toi. Ok. Moi, je suis très fort SF. Et tu joues quoi alors, Hades, principalement? Pinceau qui fourche tout le temps, je sais pas ce qu'il a, alors que je le traite excessivement bien et que c'est un pinceau assez cher. Je vais faire une cure d'huile d'olive, je pense, ou quelque chose de similaire, quelque chose d'approchant. Déborde sur l'arme, tant pis. Au moins, je vais être sûr que ce soit bien couvert. Hop. Sur l'arme et sur l'armure, allons-y. Hein, je vous dis au point où on en est.
Hop. Ouais, bon. Bah donc la technique de du brossage à sec, je ne le recommande vraiment pas. Et en plus maintenant j'ai mis une sous-couche noire, donc ça m'emmerde plus qu'autre chose. Ok. Salut Ryan Fusea. Bienvenue dans le live. Alors pour info, donc je suis en train de peindre des figurines Infinity. J'ai voulu essayer une technique de peinture rapide de la peau avec du brossage à sec sur fond noir et ça n'a pas fonctionné. Donc je suis en train de corriger ça en mettant une couche de base sur du fond noir. Ce qui est évidemment excessivement chiant, vous en doutez tous. Et voilà. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de corriger les conneries de cette tentative ratée de gagner du temps. Et donc j'en perds au final, ce qui est génial. Et là, je suis à la deuxième couche sur les visages, en espérant que je ne devrais pas en faire 140. Voilà. Pas de problème, Ryan. Pas de problème. Ben, je suis pas forcément super fan du contraste Gulliman, en fait. Je l'aime bien, je l'ai utilisé comme shader, ouais, mais comme peinture de base, ouais, c'est sympa, c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas ça, mais j'aime moins, j'aime vraiment moins. J'aime moins que de mettre une couche de base, etc. Donc je cherche encore la technique parfaite pour aller vite. Donc ce qui fait que je suis un peu dégoûté parce que les précédents, j'avais réussi à les. L'autre bande de cette boîte de base, j'avais réussi à les terminer en 3 heures. Donc ce qui faisait un peu moins d'une demi-heure par figurine, ce qui est quand même pas mal. On est dans le speed painting pour un niveau de qualité qui était tout à fait correct. Par contre, ici, là, on va clairement dépasser la demi-heure par figurine, je pense. Et donc on quitte un peu le speed painting. Et ça, je suis pas content. Mais pas content du tout. C'est ça, c'est le jeu de la vie. Tu fais quel SMC, Ryan? Enfin, quel SMC, ça y est, j'utilise des trucs même en parlant. Quelle espèce mérine du chaos? Quelle faction? Tout ça. Ok, sur du Cadian Fleshstone. Ben justement, c'est ce que je suis en train de faire. J'applique du Cadian Fleshstone. Donc j'utiliserai peut-être du Gully ou alors un autre shader. Je verrai encore. Ça, j'ai pas encore décidé. Black Legend. Ok, cool. Oh, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux, donc je coupe le son 2 minutes.
Et me revoilà. J'ai vraiment dépassé comme un baraquis de partout sur celui-là. De pouvoir repasser sur l'armure, sur son arme. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Alors là, j'utilise une peinture. J'avais fort dilué pour que ça rentre bien dans tous les creux. Mais là, j'utilise une peinture. Enfin, toujours le Cadian Fleshtone, mais un tout petit peu moins dilué, un peu plus épais. Presque comme au sortir du pot pour passer sur les. Ce qui ressort un peu parce que sinon en fait il se met dans les fonds avec une sous-couche noire, il se met dans les creux très bien et il recouvre bien, mais par contre il y a une sorte de je sais pas, de rose noir dégueulasse sur les surfaces exposées parce que la peinture ne s'y dépose pas bien, elle est trop transparente, c'est ça le problème de la sous-couche noire avec des couleurs claires comme ça. Et donc, je corrige le problème avec une peinture un peu plus épaisse qui va moins couler dans les creux. De toute façon, je ferai des éclaircissements encore par-dessus, mais j'essaie d'avoir quand même une couche de base propre où on ne voit plus le noir. C'est moi qui me suis piégé moi-même, comme je l'expliquais, pour s'il y a quelqu'un qui n'était pas encore là, avec cette sous-couche noire, en essayant une technique qui n'a pas fonctionné comme je voulais. Un baraki, c'est pas baraki. Un baraki, c'est un terme belge qui est l'équivalent d'un beauf. C'est vraiment typique belge. En fait, à la base, baraki, c'est quelqu'un qui habite dans une baraque. En fait, c'est baraki de kermesse à la base. Donc, c'est les forains. C'est les gens qui, par extension, probablement, à l'époque en tout cas, c'était les gitans. Sauf que c'est pas du tout une insulte à caractère anti-gitanique actuellement. Parce que baraki, ça définit vraiment tout le monde. C'est un beauf, quoi. C'est quelqu'un qui. Ça peut être quelqu'un qui fait du tuning, ça peut être quelqu'un qui s'habille avec des trainings, ça peut être quelqu'un qui se comporte comme un gros con. C'est une insulte un peu généralisée, parfois très insultante, parfois presque affectueuse. On peut traiter ses potes de baraki pour rire. Enfin, donc voilà, c'est un terme belge. Et donc, pour définir ça, si on va dans cette direction-là, Francis, tu as une assez bonne définition de ce qu'est un baraki. C'est-à-dire qu'un baraki, c'est pas forcément un connard. Hein. Un baraki, c'est juste une manière d'être. Par exemple, Francis est super sympa, mais il a un côté très, très baraki. On a une expression d'ailleurs, parce que la réduction, enfin, la version courte de baraki, c'est bara. Et on a une expression en Belgique qui dit bara, mais sympa. Ben, Francis, c'est exactement ça, c'est bara, mais sympa. Voilà. C'est peut-être le petit point culture. Bon, donc maintenant les couleurs de base ont été posées pour la peau. Et ben, je pense qu'on va en rester là pour cette fois-ci. J'ai fait que 1 heure. J'ai fait que 1 heure cette fois-ci et pas 2 heures. Je vais encore mettre un petit coup chez lui. Parce qu'il a vraiment pas bien pris la sous-couche noire. Il le vit mal lui, hein, ça ne va pas du tout. Pour essayer de peindre sa main surtout, parce que c'est sa main surtout qui est dégueulasse. Je vais sans doute en rester là, enfin je vais en rester là, pas sans doute, je vais en rester là pour cette fois-ci. J'ai fait qu'une heure à la place d'une heure et demie comme d'habitude, mais je viens de me souvenir que je dois aussi passer à la poste. Et la poste de mon bled a des horaires un petit peu bordéliques, donc on continuera la prochaine fois, si ça vous va. N'hésitez pas à revenir nombreux. Comme je l'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur Infinity, il y a un lien vers la boîte de base que j'ai. Et dont je peins les figurines chez Philibert. Si vous voulez des Francis Mini, il y a aussi un lien sous la vidéo. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Il n'y a pas d'obligation, mais ça me ferait plaisir. Et voilà. On en reste là pour l'instant. Et donc, je vous dis à bientôt. On va voir si j'ai. Parce que comme d'habitude, si ça tombe, j'ai pas le bouton pour arrêter le streaming et je vais vous dire au revoir, puis il va y avoir ce moment gênant. Oui, il y en aura plus jeudi. Je vais essayer de faire ça un petit peu plus long, un petit peu plus long jeudi. Genre 2 heures, etc.
Non, pas du tout. Ouais, à la poste de tous les bleds ont des horaires comme ça, mais c'est vraiment un petit bled, donc là, on va dire que c'est encore pire. Donc, bah, je vous dis à bientôt, on se tient au courant. De toute façon, n'hésitez pas à revenir jeudi pour le prochain live. Et vendredi, je publie une vidéo d'Halloween, épisode spécial Halloween. Donc, non, pas vendredi, qu'est-ce que je raconte? C'est pas ce vendredi, c'est vendredi prochain que je publie un épisode spécial Halloween. Ben oui, c'est vendredi prochain, le 1er novembre. Non, vendredi, je publie un épisode sur Je joue pas, j'explique, qui explique le jeu de plateau Vampire la Mascarade Chapters, un jeu de plateau développé par des Québécois, qui est un jeu de plateau qui est vraiment terrible. J'ai eu l'occasion de l'essayer, et donc. Voilà. J'ai eu l'occasion de l'essayer sur Tabletop Simulator et c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil ben, ce vendredi. Donc. Allez, ciao ciao, à bientôt les castors, bisous bisous.